Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de nouvelles sportives consacrée au Stade Rennais Football Club. Appuie déjà sur le bouton j'aime si tu aimes le Rennais de tout ton cœur. Si vous ne voulez rien manquer de l'actualité de Rennais en première main, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification, car ici, vous resterez informé de tout ce qui se passe à Rennes. Aujourd'hui, nous allons aborder une actualité brûlante concernant l'avenir de Karl Toko Ekambi à l'Olympique Lyonnais. Le mercato estival s'annonce mouvementé pour Karl Toko Ekambi, et certains supporters de l'OL ne souhaitent plus le voir évoluer sous les couleurs lyonnaises. Lors de la réception de l'AS Monaco au Groupama Stadium, ses fans ont affiché leur mécontentement sur une banderole, déclarant « Karl Toko pense au mercato. On ne veut pas te revoir avec notre maillot ». Ce message fait suite aux attaques du joueur camerounais envers le club en avril dernier, relayé dans SoFoot. Toutefois, Karl Toko Ekambi a répondu calmement aux supporters du virage nord du parc OL via un message sur Instagram. Il a publié un emoji souriant, accompagné du mot « Soon, bientôt ». Cela laisse entendre que le joueur donne rendez-vous aux supporters en colère de l'Olympique Lyonnais cet été. Il convient de rappeler que Karl Toko Ekambi est sous contrat avec Lyon jusqu'au 30 juin 2024. Rappelons que cet attaquant polyvalent avait quitté précipitamment l'OL en janvier 2023, à sa demande, rejoignant ainsi le Stade Rennais sous la forme d'un prêt de 6 mois, sans option d'achat. Son départ était motivé par des relations tendues avec une partie du public lyonnais, qu'il accuse de comportement raciste. Il avait déclaré « Je ne veux pas utiliser le mot fort auquel je pense, mais bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce sont toujours les mêmes profils », faisant référence à d'autres joueurs tels que Moussa Dembélé et Oussem Aouar. Karl Toko Ekambi avait exprimé son souhait de ne plus porter le maillot de l'OL, affirmant « Je ne pense pas rejouer à Lyon. Je n'espère pas en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les dernières nouvelles du Stade Rennais, ainsi que les performances de nos joueurs. Continuez à soutenir notre club avec passion et optimisme. Face à cette situation, nous pouvons en conclure que il semble évident que l'international camerounais et l'Olympique lyonnais devront trouver un accord pour une séparation à l'amiable. Cependant, selon les informations divulguées par Ouest France, le Stade Rennais ne prévoit pas de recruter définitivement ce joueur indésirable à Lyon. Nous resterons attentifs à l'évolution de cette situation et vous tiendrons informés des prochains développements. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'actualités sur le Stade Rennais Football Club. Chers supporters, ceci est très important, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt. Allez Rennes !